221 862 candidats se sont lancés ce matin à la quête du baccalauréat malien. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre à l'école Maarif de Sébenikoro. À cette occasion, il n'a pas manqué de rappeler encore une fois la nécessité d'avoir des examens propres et sans fraude. Le compte-rendu de Alousseni Touré. C'est dans cette salle de l'école Maarif de Sébenikoro que le Premier ministre a procédé au lancement des épreuves du baccalauréat malien. Après avoir ouvert les enveloppes scellées, le Premier ministre a encouragé les élèves et leur encadrement à tout mettre en œuvre pour réussir un examen propre conformément aux idéaux des autorités de la transition. Je voudrais donc appeler à l'indulgence de l'ensemble de l'encadrement scolaire. Les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, pour beaucoup de compréhension vis-à-vis du gouvernement. Je voudrais indiquer que nous avons à peu près 37 000 candidats ici, exactement 37 148, divisé pour moitié-moitié presque en filles et garçons. Les garçons 19 900 et les filles 17 200. Et j'ai dit aux élèves que c'est eux que le peuple regarde. C'est eux l'avenir. Tout le Mali regarde aujourd'hui ceux qui font l'examen. Ils doivent constituer la fierté de notre pays. Et que les meilleurs gagnent. Seul le travail anoblit l'homme. Les nations qui travaillent sont les nations à qui appartient l'avenir. Et je voudrais que notre pays soit parmi ceux à qui appartient l'avenir. Et c'est à travers leur jeunesse. Et c'est pourquoi je leur ai souhaité que les meilleurs gagnent. Et que tous les Maliens soient fiers. L'école Maarif, à l'instar de l'État de Turquie, appuie fortement le gouvernement malien. La mise à disposition de ce centre pour recevoir d'autres candidats de la rive gauche est une preuve de l'affirmation de la disponibilité de ce pays ami à coopérer avec le nôtre. Ce n'est pas des relations saisonnières. En tout cas, l'intention du gouvernement du Mali c'est de construire des relations solides avec la République de Turquie sur le long terme. Et ça, c'est la jeunesse qui va l'incarner. C'est un symbole qu'ils donnent tout leur centre pour que les Maliens de toute catégorie, de tout centre, viennent organiser leurs examens. Je voudrais donc, pour ces deux raisons principales, je pouvais en citer d'autres, féliciter et remercier le gouvernement de Turquie, de l'ambassadeur qui est très actif ici. Moi, je peux en témoigner. Je l'appelle souvent le plus malien des Turcs ou bien le plus turc des Maliens. Dans tous les cas, c'est à lui de choisir. Il est très actif et il fait beaucoup pour renforcer cette coopération. Cette session de juin 2023 concerne 212 862 candidats répartis sur 480 centres et 7646 salles à travers le pays.